Bonjour, moi c'est Benjamin Ganancia, je suis étudiant à Sciences Po Paris en master 1 politique publique, spécialité sécurité défense. Bonjour, je me présente, je m'appelle Elena, j'ai 18 ans et je suis en première année de BTS Communication en alternance. Bonjour, je m'appelle Hilaire Foyard, je suis ingénieur, j'ai 24 ans. Ce que j'aime le plus dans cette expérience, ce sont les intervenants, mais également la cohésion de groupe qu'il y a qui est tout simplement exceptionnelle. Ce que j'aime le plus dans cette expérience, c'est les intervenants. Ils nous apprennent plein de choses et c'est super intéressant de les écouter et surtout leur bienveillance. Ce que j'ai aimé le plus dans cette expérience, ça a été la qualité des intervenants. Je les ai trouvés tous passionnants, éloquents et je n'ai pas perdu une seconde dans leur discours et dans leur démonstration. Pour moi, s'engager, ça veut dire faire des actions concrètes, également être capable de développer sa pensée et ses argumentaires pour être capable de convaincre les personnes de la nécessité de sauver la France et de la valeur de nos idées. Se préparer à l'action, c'est agir, c'est convaincre et c'est propager ses idées. S'engager pour moi, c'est vouloir toujours mieux et surtout pour la France et ne pas oublier la beauté de la France et surtout ses traditions. Les joutes oratoires ont été un exercice réellement intéressant parce que ça permet de comprendre comment on réagit en temps réel lorsque l'on débat, savoir maîtriser ses émotions et placer les bons arguments tout en ayant ce recul qui permet de rester convaincant. Les joutes oratoires se sont extrêmement bien passées. Ça a été un exercice extrêmement intéressant et un exercice qui a été très formateur. Oui, les rencontres sont vraiment très agréables. Je me suis fait déjà quelques connaissances, quelques amis. Avec des personnes qui venaient de tout type de milieu. Ce week-end, évidemment que j'ai fait des rencontres marquantes. On n'a pas forcément le même âge et pourtant, tout le monde est accessible et... C'est une expérience qui permet de se rapprocher. L'IFP est la meilleure institution pour former des jeunes à la bataille culturelle qui est vitale pour notre pays. Je dirais un donateur, aidez-nous, aidez les jeunes, aidez la France.